salto, yon gros zotobre, yon chabrak en dan et parti PHTK sorti dans silence li. Depuis après le, eh bien, yon te fin cité non monsieur comme yon nan complice assassinat président Jovenel Moïse lan. Eh bien, jodi a la, monsieur sorti dans silence li et tout ça apparaît tout souhait, tout bouquet et monsieur fait un pile gros déclaration que nous pral inviter ou tende la sous sa kap passé nan pays d'Haïti actuellement la et sous André Michel qui c'est un nègre nous t'a dit qui bon côté Ariel là parce que depuis après nèg ça eh ben président Jovenel fin mouri nèg ça aussi en bas vente Ariel Henri yo entré eh ben c'est yo qui a coupé c'est yo qui a braché et partisan et PHTK yo nan couri donc et président PHTK là qui c'est Liné Baltazar sorti dans silence li eh bien monsieur fait un pile gros déclaration et même attaqué André Michel qui lui même toujours a frappé PHTK très fort surtout dans dossier kidnapping dans dossier gang qui prend pays a dans dossier insécurité a eh bien mesdames et messieurs Liné Baltazar jodi a là fait tout le monde saisi personne pas t'attendre que monsieur t'a fait déclaration choc ça et sous ça qui a passé dans le pays avec un assassinat président Jovenel Moïse qui non été cité dans l'ambassade. Nous allons vous inviter au bien détail, vous allez être connecté à tout. Et par exemple, je vais citer, si vous voulez, je vais vous répondre. M. André Michel, secrétaire démocratique et populaire, signataire à quoi je suis avec vous. Par contre, qui a toujours été critique par rapport à PHTK, la planche c'est boulette sous nous, c'est PHTK qui est dans la gang, c'est PHTK qui est toujours agressif par rapport à nous-mêmes. Comment nous vivons ça? Alors, ce que participe, on a supposé sous même terrain, hein, puisque c'est nous signataires ensemble du accord en septembre. Non, mais c'est pas M. André Michel seulement qui fait des déclarations de ce genre sous PHTK. Vous prenez par exemple? Oui, mais c'est le discours, et ce discours n'est pas nouveau. Son discours, Cap Kembe, depuis Jovenel Moïse était candidat. Donc, c'est PHTK qui ceci, c'est PHTK qui cela. Yo, tous les mots du pays, c'est sous PHTK yo la geyo. Et donc, gen de moun pour yo exister politiquement, c'est PHTK pour yo parler mal. Donc, je ne vais pas répondre en polémique avec qui que ce soit. Seulement, je connais que son discours m'attendait depuis tantôt 7 ans. Et ça n'a pas fait PHTK dévier ni de sa ligne, ni de sa conduite. Qui est responsable de PHTK dans la situation dans la vie, dire? Oh, mais PHTK, par en qui sens vous posez qui PHTK, en qui situation on a bu, vous dire? PHTK a eu un pouvoir, PHTK. Ou PHTK a eu un pouvoir, pas au pouvoir encore. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui disent, et c'est de fait des gens qui signent à quoi ensemble avec vous, qui pensent même si PHTK n'a pas eu un président actuellement, la malheureusement, il a assassiné le président Jovenel Moïse, mais PHTK a toujours au pouvoir, avec toute administration publique là, dans l'ensemble, même système qui était là, les Jovenel Moïse, mais t'es là, c'est même qui est toujours là. C'est ça, adversaire politique, PHTK a dit. Mais on même, M. Geoffroy, qui c'est un journaliste avisé, et pour simple exemple, sous 18 ministres qui gagnent, regardez combien de ministres PHTK gagnent dans le gouvernement, sous 18 ministres. Combien? N'dou pas gagnent. N'dou pas gagnent mon seul? N'dou pas gagnent, au cas identifié. Non, mais non, parce que c'est... Non, nous, PHTK... Pas facile pour qu'on ait, ok, moi. PHTK, à un moment, nous sommes 18 ministres, à commencer par le premier d'entre eux, ou pas foutu de dire que c'est militant PHTK, lié, ou bien c'est sympathisant PHTK. Lié. Par contre, PHTK, longue coalition, qui est PHTK et allié, encore une fois, qui est des partis qui étaient concurrents PHTK, et nous alliés depuis 4-5 ans, oui, non, PHTK, la structure PHTK est alliée, donc il y a des mouns dans le gouvernement qui que nous pas gain objection sur eux. Mon pas fouti, je mets au défi, quel que soit journaliste là, pour le dire qu'un tel ministre, c'est même parti PHTK lié. Par contre, au pape qui a dit, nous qui a dit, pour certains partis politiques qui a dit, ou pas au pouvoir, mais qui ministre qui représente eux. Le conseiller son gouvernement, ça, si mieux comprenne, PHTK pas participer là-dedans, mettez moun. C'est pas seulement le fait qu'on gagne moun là, un gouvernement qui fait qu'on va supporter le gouvernement. Et PHTK, signataire de l'accord du 11 septembre, li endossé le premier ministre Ariel Henry, qui pas membre PHTK, et n'a supporté l'action du gouvernement, et notamment toute action qui orientait vers la transmission du pouvoir à des autorités légitimes qui issues d'élections.
Maintenant, si on répond avec Christian Apretounesouyo, qui dit, même si PHTK n'a pas un président qui l'a, mais les principales directions générales, et ambassadeurs, et entre autres, et directions générales dans le ministère, ils sont toujours contrôlés par PHTK, par Jovenel Moïse qui est nommé. Donc, qui est-ce qui dirige et qui détermine la politique et la politique du gouvernement? C'est la direction générale ou la ministre? Non, moi, parce que non, M. Geoffroy, c'est n'a fait un acte de pédagogie, et c'est son journaliste a visé courrier, on connaît très bien, dit qui est, comment déterminer la politique d'un gouvernement. La chose politique moi, de la nation est déterminée. Je pense que belle tête qui connaît réponse qui a fait nous comprendre. La politique de la nation est déterminée par le gouvernement. Mm-hmm. Oui, et principalement par le chef du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que le fait que un directeur loterie nationale ou bien un directeur et au AVCT ou bon directeur d'INEPA, c'est au cap conduit la politique de la nation. Non, ça n'a pas de sens. Ok, ok. Donc, on monde qui gagne une direction générale, par exemple, dans Mali, et ONA, ou bien APN, on directeur ou bien ça veut dire... On directeur général, c'est un exécutant, il exécute les ordres du gouvernement à travers le ministre ou bien à travers la primature. Donc, c'est aussi simple que ça. Okay. Et c'est un employé que lié, c'est un monde qui est malléable et corvéable, qui peut être révoqué soit par une lettre d'un ministre, soit par un arrêté qui prie en conseil des ministres. Okay. Encore une fois, ça n'a pas... C'est comme ça que ça doit faire ou bien c'est comme ça lié? Par exemple, nous, on est dans la direction... C'est comme ça pour le faire. Nous, on est dans la direction générale, directeur général, c'est des véritables chefs qui tout prennent là, ou bien on t'apprend là, AVCT, ou bien on t'apprend dans APN, dans AN, etc. C'est des gens qui... Avec des véritables chefs. Souvent, ils ne répondent pas de ministre de tutelle, ils répondent de l'autre chef. Ça veut dire que sont l'État qui dysfonctionnel. Laisse arriver, sont l'État qui dysfonctionnel. Parce que ça va gagner droit fait. C'est ça qu'il y a actuellement dans l'état dysfonctionnel. Ça veut dire que nous avons l'état dysfonctionnel. Mm-hmm. Oui. C'est ça qu'il y a. Ce état dysfonctionnel, nous gagnons de fait. Justement. Nous avons l'état qui est dysfonctionnel et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, nous avons une série de problèmes, ou bon problèmes que nous avons gagné actuellement. Et que ce soit problème d'insécurité, que ce soit problème et grand goût, que ce soit problème. De toute qualité de problème qu'on gagne, vini du fait que nous hériter, nous rendre l'État dysfonctionnel. Et c'est pas monde de Hockfeld, c'est nous qui faisons, c'est nous qui comportons de telle manière que l'État vienne dysfonctionnel. Justement, M. Balthazar, je reviens sur la question. Mm-hmm. Qui implication PHTK, justement, dans la situation à vivre là? Pas un État dysfonctionnel. C'est pas PHTK. PHTK, comme tout le monde qui a exercé le pouvoir ces 35 dernières années, ont responsabilité dans ce qu'on fait là. OK. Donc, depuis 35 ans, c'est-à-dire pratiquement depuis la chute des Duvaliers, nous prenons PIA, tous ceux qui ont gouverné ce pays ces 35 dernières années, on parle de responsabilité dans sa fait là. À ce titre, PHTK comme monde qui participe à pouvoir ces deux derniers quinquennats, parce que t'es gagné en période de transition, l'autre monde t'es exercé pouvoir, nous tous gagnons responsabilité par nous. Et c'est la chance que nous gagnons qu'on y a, à savoir que tout le monde qui est sous scène politique là, actuellement, qu'il est en pouvoir, qu'il est en opposition, à un moment ou à un autre, tu exerces le pouvoir. Et avec nous tous responsables. Même niveau de responsabilité pour tout le monde? Même, nous tous responsables, nous co-responsables. Il y a des gens qui ont des courants politiques qui dirigent le pays ça pendant une vingtaine d'années. Donc, on a dit soit point sur le poids des années, ou a dit ça que dirigeait pendant 20 ans, il y a plus de responsabilité que ça que dirigeait pendant 5 ou bien pendant 10. Mais encore une fois, c'est pas well en termes de ça responsable ou pas responsable. PHTK a un bilan parce qu'il était participé au pouvoir. Il y a un bilan qui est négatif ou bien qui est positif. Comme d'autres courants politiques, il y a un bilan négatif et positif. Comme nous tous, responsable plus ou moins de ce qui a passé dans le pays. Il y a un bon exemple, M. Geoffroy. Où est Village de Dieu? Mm-hmm. Il y a 50 ans, il y a 70 ans, Village de Dieu, c'était un lieu de promenade en 1950.
Donc, nous mettons presque 35 à 40 ans pour nous transformer village de Dieu en un site touristique à Jean-Léonier. Donc, nous tous responsables. Le monde, l'hôpital, dans les années 50, pas de caille sous lui. En 80 ans, nous faisons un tapis de bidonville qui sortit de jalousie jusqu'à Grécier. Donc, c'est 70 ans de mauvaises décisions politiques qui menent nous là. Donc, est-ce qu'on a continué ou bien on a campé? Donc, c'est ça. C'est la responsabilité qui est faite pour mesurer en termes qu'avons-nous fait de ce pays pendant ces 80 dernières années. Mais même d'un tout, M. Balthazar, au monde Cap Gado là, qui dit, monsieur, le PHTK a passé 10 ans dans le pays. Il a été gagné deux fois, il y a eu un président, Michel Martelly, dans le premier temps, et Jovenel Moïse, dans le deuxième temps. Il a été gagné tout appareil, l'État, non, mais il a coupé, il a racheté, il a été gagné ensuite au monde d'Adjure, comme Pédo Caribé, non, mais il a pile dans le Pédo Caribé, ça a mal passé sous administration, le pays, institution républicaine, il a dégringolé, démoli en bas d'administration PHTK. Je ne veux dire, le président PHTK a gardé tout le monde, j'ai voulu dire tout le monde responsable. Non, on m'a dit ça, oui. C'est ce que là, nous sommes pas responsables. On m'a dit, tous ceux qui ont exercé le pouvoir ces 35 dernières années, ils sont co-responsables de situation publique. Donc, nous sommes pas responsables. Non, ah non, mais M. Geoffroy, non, non, ouais. Non, pas possibilité pour préciser. Non, vous me précisez assez, vous voulez attendre, On me parle sous 35 ans. Absolument pas. Non, on me parle sous 35 ans, ou même vous isolez 10 dernières années. Et dans 10 dernières années, on s'en a retiré une année. Donc, écoutez, ouais, le point que tant que l'église dit que monde qui va jamais pécher me jette la dernière pierre. Moi d'où PHTK a participé au pouvoir ces 10 dernières années, moi d'où PHTK paraît comme force politique sous scène en 2016. Donc ça veut dire que nous existons politiquement à partir de 2016, là nous gagnons 38 députés, 10 sénateurs qui rentrent dans le Parlement. Et premier, ça a offert, ils ont voté un président provisoire qui était relé, président privé, qui fait un an dans le pouvoir. Avec le premier ministre, c'est Jean-Charles. Donc, ou pas cap dim, PHTK, 10 dernières années, non. Bon ensemble de monde qui exerce le pouvoir, et vous savez qu'on peut faire autant de mal en une année qu'en 4 ans. Donc, nous ne pouvons pas jeter la pierre à personne. Nous dit que pays a l'an un état de dysfonctionnement et les PHTK ont monté au pouvoir, ils ont joint pays a l'an état de dysfonctionnement qui a accéléré ces 5 dernières années. Qui n'ont pas arrivé et renversé et va perdre là. Oui, mais qu'on y a là, mais qu'on y a, c'est pas PHTK au pouvoir. Donc est-ce que ça va mieux maintenant? Il y a 7 mois? Non. L'autre dit, t'as là, il dit PHTK a sous pouvoir depuis 10 ans et que moi, maintenant que PHTK a sous pouvoir depuis 10 ans, on dit c'est à partir de 2016. Mais c'est même élément, yo, c'est Michel Martelly, c'était même nous maintenant qui était là et l'un de pouvoir en 2011, qui continuait, qui vient de PHTK, mais by PHTK en 2016, c'est même nous maintenant qui continuait. Nous, t'es un pouvoir jusqu'à Jovenel Moïse. Oui. Nous, t'es impliqué dans le pouvoir de 2011 jusqu'à Jovenel Moïse. C'est ça qu'on parle de 10 ans d'implication dans le pouvoir. Pas qu'à isoler les 10 dernières années et puis pour kembe, comme si les 20 premières étaient plus bon. Si on regarde les chiffres, on regarde les 20 premières étaient plus bon. Si on regarde les chiffres macroéconomiques pays. Ok, allez-y, oui. Oui, bon. En tout cas, qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ça prouve que c'est seulement les 10 années de Martelly et de Jovenel qui responsable de tous les maux du pays. En tant que dirigeant qui l'a. Mais je suis le premier à reconnaître, mais de toute façon, c'est pas considération ma faveur avec ou la matin, cap déterminant dans le choix de la population sur les prochains dirigeants. Donc, à bail opinion. Ça cache tout, vous commencez ça? Oui. Commencez ça cache tout? Moi, nous, c'est pas considération à faire, je dis à la, sous les 10 années de PHTK, cap déterminant dans le choix des Haïtiens sur ceux qui vont le diriger à l'issue des élections. C'est cap déterminé. C'est, moi-même avant, nous pas qu'à connaître le choix des Haïtiens. C'est-à-dire, c'est, en nous allaguer. Et vous, ça nous dit, l'État mieux que nous mettez pays sous des rails institutionnels en allant aux élections le plus rapidement possible pour que les dirigeants légitimes puissent diriger ce pays et prendre les décisions
douloureuse qu'il faut pour inverser tendance là. Depuis la signature et accord et 11 septembre là que au souligner ça que PHTK signale à journée jeudi à là bon 9 mois depuis Ariel Henry sous pouvoir, il prend pouvoir 20 juillet, nous venons signer et accord là 11 septembre et quelques temps après nous va replater gouvernement pour que nous avancer. Qui évaluation PHTK fait de agissement et Ariel Henry dans notre pays là? Ou capable de faire aussi bien que moi à travers sa activité. Prends accord en septembre, non, pour voir qui ça le dit. Accord en septembre, non, pour qu'on parle, il dit très clairement qui ça pour le premier ministre, mais qui ça pour le gouvernement. Fait. Donc, l'accord en septembre prévoit, un, la mise au pied d'un gouvernement de consensus, deux, la mise au pied d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale, la mise en place du CEP et la mise en place d'une de tentative ou bien un projet de nouvelle constitution si et, suivant des voilà donc depuis 6 mois qui s'est fait là ça ouais. Et c'est pourquoi que c'est pour non m'a prévu nous oui. M'a prévu ou ap dim qui ça Ariel Henry fait nous moi m'pa pral nous pas pral personnaliser en rien, ça n'apprend à travers l'accord du 11 septembre qui lui-même c'était un programme de gestion de la transition et jusqu'à présent il était valable à nos yeux et c'est peut-être ça où est que tous les signataires, la plupart des signataires de l'accord du 11 septembre a réclamé son application. Donc jusqu'à présent, application beaucoup jamais capable effective. Parce que ni dans sa séquence, ni dans son calendrier, dans la séquence des actions à mener, ni dans le calendrier d'exécution, jusqu'à présent, l'accord du 11 septembre était inapplicable, inappliqué. Maintenant, sur les résultats, dépendamment de l'accord, sous la réalité en Haïti, insécurité, kidnapping, la vie chère, plus monde vient dans grand groupe. Oui, mais le Premier ministre lui-même lui reconnaît que sur le dossier de l'insécurité, jusqu'à présent, il en est toujours à dire que le poil bail, il poil fait mon passé matissant. Ça, c'est pas un secret pour personne. Premier ministre est le premier à reconnaître que sur le dossier de la sécurité, il y a des, même s'il faut reconnaître certaines petites victoires de la part de la police, mais sur le plan global, l'insécurité, pourquoi résoudre? Et c'est Premier ministre lui-même qui reconnaît ça. Et que c'est pas un secret pour personne. Est-ce que le gouvernement t'a fait plus, Nous le premier à reconnaître que les signataires de l'accord, le premier à reconnaître que gain plus bagarre qui pour faire, gain beaucoup encore qui reste à faire, notamment dans l'accord en septembre dont t'es demandé. En plus de promesse, Premier ministre Ariel Henry a fait sur question insécurité. À chaque fois le venir, il faut de nouvelles promesses. Ça pointe embarrassez-nous en tant que signataire à quoi là pour nous répondre, ministre, à répéter de temps en temps, alors que je suis bagaille à empirer, non? Ça, c'est bagaille qui pourrait régler avec les porte-parole gouvernement, porte-parole. Je ne suis pas là pour moi. Il y a assez de ministres et de directeurs généraux pour vous défendre pour le ministre et l'action du gouvernement l'a fait. Moi-même, qu'à parler pour l'accord 11 septembre, non? Et je pense qu'il a toujours été un instrument politique qui est capable. Et de nous gérer crise et période de transition. Et accord en septembre, surtout prévoit que des élections doivent se dérouler à la fin de l'année 2022 pour que des élus légitimes rentrent dans tête pays en 2023. Donc c'est de ça, moi-même, moi, qui parle. Oui, tout à fait. On nous était dans accord en septembre. Qui l'a PHTK a estimé que accord en septembre a fait sur place, il n'est pas bralé ou bien il n'est pas capable d'appliquer dans l'état actuel? Et est-ce que c'est possible pour nous constater ça? Il y a déjà des signataires de l'accord du 11 septembre qui dit que... Ils prennent distance par rapport au gouvernement. Ils disent que le gouvernement... Enfin, l'accord n'est pas appliqué. Et...